وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il dit que la personne fait les œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis qu'un empan. Ça ne veut pas dire qu'il est à un empan du paradis dans la distance, c'est-à-dire qu'il est à un empan de la mort, il n'est pas loin de mourir. Le livre le devance, sa destinée le devance, il fait une œuvre parmi les œuvres des gens de l'enfer, il entre en enfer. Dans un hadith, il décrit cela, il détaille. Il fait les actes des gens du paradis en apparence. C'est-à-dire qu'en réalité, en apparence, c'est les actes des gens du paradis, mais en réalité, ce ne sont pas les actes des gens du paradis. Car c'est quelqu'un qui n'a pas une bonne intention. Il a une maladie dans son cœur. Cette maladie, elle l'a rattrapé avant sa mort. Elle a été la cause de l'emmener en enfer. Quelle est cette maladie? Il n'est pas sincère pour Allah. Cette maladie, qui est le fait de vouer nos actes pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas être sincère, de ne pas chercher sincèrement le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans nos œuvres, c'est la maladie la plus dangereuse qui peut emmener la personne à ce que sa destinée elle le devance, que en fait cette personne-là, tout ce qu'il faisait, c'était que par hypocrisie. Et en vérité, quand sa destinée elle devance, il voit comment il meurt parmi les actes des gens de l'enfer et il y entre. Nassallahu alayhi wa sallam. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا.